Shalom, shalom, bakundwa, mwese muri ko muradukurikirana kuri Mugisha TV. Shalom, shalom, bien-aimés, vous tous qui nous suivez sur Mugisha TV. Turabahaye ikaze kandi uno munsi aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nous vous accueillons encore une fois pour vous parler de la parole de Dieu. Imana itugirire neza, iduhezagire, dutahure ijambo ryayo ishatse kuvuga uno munsi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous explique à propos de la parole que nous allons partager aujourd'hui. Ijambo tuza gusoma uno munsi turibona mu itanguriro igice cya gatandatu. La parole que nous allons partager aujourd'hui, nous la retrouvons dans Genèse, le chapitre 6. Reka dusome icyo gice ku murongo wa gatatu, hanyuma turasimba umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Lisons ce chapitre, le verset 3, nous sauterons et nous lirons le verset 5, ensuite le verset 6. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Écoutons la parole du Seigneur. Ivuga iti, Uhoraho aravuga ati. Mwemu wanje ntazokwama ari aranyinyurana na numuntu ibihe byose kuko ari uw'inyama gusa nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka ijana na mirongo ibiri. La parole dit dans Genèse 6 verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Kuri gatanu gushika kuri gatandatu naho iravuga iti au verset 5 jusqu'au verset 6 ça dit nukuraho abona ibibi by'abantu inge nari byinshi mwisi kandi kwivyumviro by'imitima yabo byamogoroye gukora ikibi gusa na ntayo uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mwisi bimutera intunu mu mutima. Le verset 5 jusqu'au verset 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Nous entendrons ici que c'est Dieu qui dit comment les choses se déroulaient sur la terre. Nous voyons l'âge que Dieu a dit que l'homme passera sur la terre. Pourquoi Dieu a fait cela? Turabona igituma Imana yabikoze. Nous voyons pourquoi Dieu a fait cela. Turabona yuko Imana ivuze yuko ari kubera ibibi umuntu umwana w'umuntu yagendeyemo. La parole de Dieu dit que c'est à cause du mal que l'homme a fait. Mbega imbere yaho byari bimeze gute? Mais est-ce que, comment se passait-il avant cela? Mbega niko byari bimeze kuva intango y'umwana w'umuntu akibaho ku isi? Est-ce que c'était pareil avant quand l'homme fut créé? Oh ya, uko Imana yari yabikoze yari yagize umwana w'umuntu mu ishusho ryiwe. Non, cela n'est pas ainsi, car Dieu avait fait l'homme éternel avant. Yari yamugize kubaho ibihe bidashira. Il avait fait de vivre éternellement. Kubera yararemwe nk'Imana. Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Ariko Imana imaze kubona umwana w'umuntu yaguye mu cyaha. Mais Dieu ayant vu que l'homme a péché et tombé dans le péché. Akora ibyo Imana yari yamubujije. Et qu'il a fait ce que Dieu lui avait interdit. Icyaha kirinjira. Le péché entra. Igihe icyaha cyinjiye n'urupfu rwaciye rwinjiye. Quand le péché est entré, la mort aussi est entrée. Urupfu rwinjiye. Quand la mort est entrée. Iminsi y'umuntu irashigwaho urubibe. L'âge de l'homme, la limite de l'âge fut est une limite. Imana ivuga iti umuntu ntakiri éternel. Et Dieu dit que l'homme ne sera plus éternel. Ariko reka dushireho iminsi y'umuntu y'ukubaho. Mais mettons la limite de l'âge que l'homme a pour vivre sur la terre. Ko twasome mu itanguriro gatandatu imbere yaho turabona abantu babayeho imyaka myinshi. Quand on a lu au verset 6, nous voyons à propos des gens qui ont vécu il y a très longtemps. Abantu bimbere iyo verse y'icyo gice et turazizo verse y'icyo gice imbere aho abantu babaho imyaka myinshi. Avant cette partie de ce verset là, les gens vivaient longtemps. Baba yeho imyaka majana umunane majana icyenda. Ils ont vécu plus de 800 ans. Amajana tandatu. 600 ans. Ariko nga turabona yuko Imana ije rero gushiraho iyindi limite y'imyaka mike.
Mais nous voyons encore là que Dieu a mis une limite sur un âge bien minime. Mbega kubera iki? Mais pourquoi? Ariko Imana ngaha iravuga neza yuko mu mutima wayo yari ibabaye. Là, Dieu explique bien que son cœur était affligé. Iravuga iti umwana w'umuntu ikibi cyamaze kuzura muri we. Il dit que le mal est entré dans l'homme. Sinshobora kumureka kwisi abandanye abaho iki gihe ariko arambabaza umutima. Je ne peux pas le laisser vivre longtemps sur la terre alors qu'il est en train de me faire du mal. Nicyo gituma Imana yashizeho iyi myaka 120. C'est pour cela que Dieu a mis une limite de 120 ans. Ariko igihe yayishiraho itora umuntu yitwa Noah. Mais quand il a mis cet âge, cette limite d'âge, il a trouvé une personne de nommé Noah. Il a avuga iti hari umuntu kwisi nubwo abantu bari mu bibi hari umuntu umwe yavuyeyo. Mais il a dit il y a une seule personne qui est sortie du nombre des gens. Aravuga ati hari umugororotsi wanje kandi ngiye gutikiza isi. Il y a une personne juste, mais je vais démolir la terre. Ariko uyo muntu nzomushira impande. Mais cette personne, je la mettrai à part. Nazopfa azokira nabiwe. Il vivra longtemps avec toute sa famille. Ijambo ry'uno munsi tuza kuvuga nako. La parole que nous allons partager aujourd'hui. Tuvuga iteme yayo canke umutwe w'ijambo tuvuga tuti. Nous parlons du thème qui dit. Mu gifaransi ivuga ngo trois types d'hommes face à la mort. Mu kirundi nayo ikavuga iti ubwoko butatu bw'abantu bijanye n'ibintu byo gupfa. Haleluya. Amen. Reka rero dusome turabe iyo comportement abantu batatu nabaye nshatse kuganira ko uno munsi. Lisons et voyons le comportement à propos de ces gens. Kubera turiko tuganira ibijanye n'urupfu twatambwiye kwanza twintroduisa tuvuga aho urupfu rwatanguye uko urupfu rwatanguye. Et là maintenant nous parlons de la mort et nous allons lire comme nous avons lu à l'origine de la mort. Icyatumye abantu batangura gupfa. Ce qui est à l'origine de la mort des gens. Ni gituma Imana yashizeho iyo limite igice. Et pourquoi Dieu a mis cette limite d'âge? Ariko nuno munsi rero Imana yagiye iragabanya niyo nuzenya kubera tubandanyije dusoma Bibiliya turabona ukuntu Imana yagiye iragabanya iyo myaka kandi. Mais en lisant nous voyons encore que Dieu a continué à diminuer la limite de l'âge des gens. Kubera iki? Kubera uko umuntu agenda abaho niko ibyaha bigenda bikura. Pourquoi? Parce que plus l'homme vit, plus le péché abonde. Nkuko Bibiliya itubwira ngo isi yose yuzuyemo umwijima. De la même manière que la parole nous dit que toute la terre est remplie de ténèbres. Reka rero turabe uko Bibiliya ivuga muri Luka 23. Lisons comment et voyons comment la parole l'explique dans Luc 23. Turabe abo bantu batatu tugira tuganire ko uko bimeze. Nous allons lire à propos de ces trois hommes comment ça se passe. Uko bimeze mu bijanye n'urupfu ku bantu batatu ubwoko butatu bw'abantu. Comment ça se déroule à propos de la mort au travers de trois personnes. Reka turabe kuva ku murongo wa 34 gushika ku murongo wa 43. Lisons à partir du verset 34 jusqu'au verset 43. Et il avuga iti mu Bibiliya y'Ikirundi iravuga iti. La parole dit. Yesu aravuga ati data nubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabura impuzu ziwe barazifindira. Mu 35. Abantu bahagarara baraba. Abashinganahe nabo bamutwengera mwijigo bati yakijije benshi yakijije abandi ni yikize namba ari Kristo w'Imana uwatoranyijwe nayo 36. N'abasoda baramucurira baramwegera bamuha inkarisha baramubarira bati niwaba uri umwana w'Abayuda ni wikize. Hejuru yiwe kandi hari icyandiko cyanditswe nguyu n'umwami w'Abayuda 39 umwe mu nkozi z'ikibi. Aho rero niyo nshaka yuko duhagarara. Umwe mu nkozi z'ibibi babambye aramutuka ati si wewe Kristo ni wikize natwe udukize. 40 ariko uwo uwa kabiri inkozi y'ikibi nyene uwa kabiri amwishura amuhana ati no kubaha Imana nuyubaha kandi uciriwe urubanza rumwe n'ugwiwe. Tweho turishuye
kuko tugiriwe ibi ibihwanye n'ibyo twakoze ariko uyu nta kibi yakoze kandi aravuga ati urahava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe aramwishura Kristo aramwishura ati ndakubwiye ukuri uyu munsi urabana nanje muri paradiso haleluya. Je lis à partir du verset 30, Luc 23, à partir du verset 34 jusqu'au verset 43. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Et il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui une inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Aha turumva abantu batatu uko byagenze. Nous entendons à propos de trois personnes comment ça s'est déroulé. Tugira turabe aba bantu batatu uko bigenje imbere y'urupfu. Nous allons analyser comment ces trois personnes se sont comportées devant la mort. Kuko aha bose bari baciriwe urubanza rwo gupfa. Parce que tous trois avaient été condamnés à mort. Bose babamanise ku giti. Ils étaient tous pendus. Mu bayuda kumanikwa ku giti vyavuga yuko umuntu aba yavumwe. Chez les Juifs, être pendu sur un arbre, cela signifiait que vous étiez maudit. Mukugene urupfu kuva kuri Adamu bari bavumwe kwera bandiye ku giti cyabujijwe n'Imana. De la même manière que depuis le temps d'Adam, ils avaient mangé sur l'arbre de vie et ils avaient été maudits. Imana yarabavumye ibakura mu itongo. Il les a maudits et les a retirés du paradis. Aha anya turabona yuko aba bantu bagiye gupfa ku bwica. Nous voyons que ces gens vont mourir à cause du péché. Aha anya na Kristo turaza kumushira mu bantu babuzuye ivyaha. Là, nous allons mettre Jésus au milieu des gens qui ont péché. Kubera iki Kristo tumushize mu bantu buzuye ivyaha? Pourquoi nous mettons Jésus au milieu des gens pleins de péché? Kubera yari yabambwe. Parce qu'il était condamné et pendu. Kandi mu bana babantu uko bari babambye abantu byitwa yuko ari abanyabyaha. Parce qu'au milieu des Juifs, comme ils étaient pendus, ben, devant les hommes, c'était des gens qui sont remplis de péché. Et Jésus-Christ était plein de péché. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a pris tous les péchés de tout le monde et il se les a mis dessus. Donc, tous les trois étaient pécheurs. Tous les trois étaient pécheurs. Tous étaient malfaiteurs. Ariko rero Kristo ntiyari umunyakibi bimuvuyeko. Mais Christ n'était pas un malfaiteur et ça dépendait pas de lui. Ni kubera yafashe ibyaha by'abandi aravyiyambika. C'est parce qu'il a pris les péchés des autres, il les a mis sur lui. Wewe yari umugororotsi. Lui il était juste. Ariko aza gupaya prix y'undi muntu. Mais il a payé le prix de quelqu'un d'autre. Aza gufata ibyaha byanje byiwawe aravyiyambika. Il a pris mes péchés et tes péchés, il les a mis sur lui. Ubu rero tugira turabe Kristo yari ameze gute. Nous allons voir comment était le Christ. Imbere y'urupfu Kristo yifashe gute. Avant la mort, comment était Christ? Hariho abantu bameze nka Kristo no munsi no ngaha ku isi. Il y a des gens qui sont comme Christ même sur la terre aujourd'hui. Kubera twese ku isi Imana yaramaze gushyiraho limite y'iminsi tuzopfira. Parce qu'aujourd'hui Dieu a déjà mis une limite d'âge que l'on ne dépassera pas. Kandi comportement zacu ko twitwara twese impande y'urupfu tumeze nk'aba bantu batatu. Et notre attitude sur la terre est pareille
devant comme ces gens. Raba igice cya mbere cy'abantu bameze nka Kristo. Regarde la première partie des gens qui sont pareils comme Christ. Bega Kristo yarameze gute? Mais Christ était comment? Kwisi akigenda yaragororotse. Quand il marchait sur la terre, il était juste. Yagwanira kugororokera Imana. Il se battait toujours pour rester juste devant Dieu. Yagwanira gukunda Imana. Il aimait Dieu. Yagwanira kumvira data agakora ivyo amubwiye byose. Il se battait pour entendre et écouter Dieu ce qu'il disait. Nige apfuye twatangiye dusoma baravuga uko Kristo yavuze. Même devant la mort, on dit comment Christ a dit. Yavuze nga ku murongo wa 34. Il a dit sur le 34e verset. Ariko arababara cyane agira fe. Quand il était dans la souffrance, avuga ati mana bababarire kuko ntibazi ibyo bakora. Il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Urumva Imana yari yamaze kuvuga kubera Kristo ariko yigisha abantu biwe aravuga ati muzobabarira abandi kuko namwebwe mukwiye kubabarirwa. Dieu avait dit parce que la parole dit que vous pardonnerez aux autres et les autres parce que vous aussi vous avez besoin de pardon. Ahanye azagushitsa ijambo yigishije abandi. Là il vient de faire arriver la parole qu'il a enseigné aux autres. Arabandanya yumvira data abigisha no kumusaraba uko bakwiye kubikora. Il continue à enseigner aux gens comment se comporter même sur la croix. Imbere y'urupfu abandanya yumvira data akora ijambo rya data. Devant la mort, il continue à écouter le Père et à suivre la parole du Père. Ariko ngo bari impande yiwe baramushinyagurira. Mais ceux qui étaient à côté de lui se moquèrent de lui. Ngo abacamanza baramushinyagurira. Les juges se moquèrent. Abasoda baramushinyagurira. Les soldats qui étaient là se moquèrent de lui. Bamubwira nimba uri umwana w'Imana uko wakijije abandi gituma utikiza. Ils lui dirent si tu es enfant de Dieu, ben, pourquoi tu as sauvé les autres? Sauve-toi toi-même. Mukuno musere w'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bashaka kugororokera Imana. De la même manière, ici sur la terre aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont obéi à Dieu et qui veulent rester juste devant Dieu. Barabandanya bagororokera Imana gushika ku rupfu. Ils continuent à être juste devant Dieu jusqu'à la mort. Gushika ku rupfu nubwo abantu babashinyagurira ariko abo bantu baguma bumvira Imana. Même quand les gens se moquent de lui, ces gens continuent à être justes devant Dieu. Bararondera kugororokera Imana bakagirira neza Imana bagashimisha umutima w'Imana. Ils continuent toujours à plaire à Dieu et à continuer à plaire au cœur de Dieu. Nige bapfuye bapfira mu Mana kandi Imana ikabaha récompense. Et même quand ils meurent dans le Seigneur et Dieu leur donne leur récompense. Bega Imana ibaha récompense yi. Mais Dieu donne quel genre de récompense? Imana ibishurira iki? Dieu répond à quoi? Ibaha ubugingo budashira. Il leur donne la vie éternelle. Kubera iki ibaha ubugingo budashira? Pourquoi leur donne-t-il la vie éternelle? Kubera abantu bose bumvira Imana bakagenda nka Kristo ku isi bazoronka ubugingo budashira. Parce que tous ceux qui marchent sur la terre en obéissant à Dieu comme Christ, ils auront une récompense. Iyo ni kategori ni type imwe n'ubwoko bumwe bw'abantu uko bagenda imbere y'urupfu. Ça c'est un genre de personne, le premier genre de personne qui se de la manière qui se comporte devant la mort. Ariko Imana itubwira iti abo bantu si benshi. Mais Dieu nous dit que ces gens ne sont pas nombreux. Ngo ni bake cyane bemera kumera nka Kristo. Il dit qu'ils sont très peu ceux qui restent et qui demeurent comme Jésus. Reka turabe abantu ba kabiri. Regardons le deuxième type de personnes. Uko bikurikirana. Comment ça se suit? Kuva ku murongo wa 39 turaraba uwundi ngo inkozi y'ikibi itangura itubwira ngo ni inkozi y'ikibi. À partir du verset 39, nous lisons à propos du malfaiteur. La parole nous dit que c'était un malfaiteur. Ce deuxième malfaiteur, il a vu comment les autres se moquaient de Christ et lui-même il est entré dans le nombre pour se moquer de Christ. Il commença par dire à Christ, toi, tu as dit que tu es capable de tout faire. Mais pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même? Pourquoi aimes-tu les autres et non toi-même? Comment peux-tu sauver les autres et non sauver les autres? Guaratuka Christo. Il insulta Jésus. Il lui dit de se sauver lui-même et de les sauver aussi. Ça c'est le
Deuxième type de personne. Uyu muntu yari inkozi kibikandazi uko urupfu ruri hafi. Celui-là était un malfaiteur, il savait que la mort était proche. Ariko hako kwihana. Mais au lieu de se repentir, ako kumenya ibyaha byiwe. Au lieu de regarder ses péchés, abandanya ikibi ciwe. Il continua le mal. Nahantu ho gufira azi uko inyuma yo ngaho hari ingaruka. Même au milieu de la mort alors qu'il savait qu'il y a des conséquences. Abandanya akora ikibi. Il continue à faire le mal. De la même manière que beaucoup de personnes sont comme cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même devant la mort, ils continuent à faire le mal. Celui-là a continué à faire le mal même devant la personne qui pouvait le sauver. Ariko aragaya icyo yari gukora. Et il ne considéra pas ce qu'il pouvait avoir et continua à aller vers le mal. Quand nous regardons la terre aujourd'hui, nous voyons que le mal abonde. Mais les gens, ils ne peuvent pas entendre la voix de Christ devant eux. De la même manière que Jésus devant, à côté de ce malfaiteur, il a montré le bien. Il dit à Dieu, pardonne-leur leur péché. Mais celui qui était à côté n'accepta pas le pardon dont Jésus parlait. De la même manière aujourd'hui que beaucoup parlent de Christ. Et ils parlent du pardon des péchés qui les proches. Ariko abantu bahisemo kugaya izo iryo jambo bariko barumva gimbabazi bemera kubandanya ikibi. Mais ils ont choisi de ne pas considérer la parole du pardon et ils ont décidé de continuer vers le mal. Babandanya bakora ikibi hako kwemera ico Kristo ariko arakora mu bugingo bwa benshi. Ils continuent de faire le mal malgré ce que Dieu est en train de faire au milieu de beaucoup de personnes. Nico gituma uno munsi isi yuzuyemo ibyaha. C'est pour cela que le monde aujourd'hui est plein de péchés. Kubera iki barataye Kristo kure ntibumva ibyo ariko aravuga. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Christ et ils l'ont mis loin. Babandanya ibyaha byabo kubera iki ninzira yagutse. Ils continuent leur péché, pourquoi? Parce que c'est le vaste chemin. Sans toutefois connaître les conséquences de leur péché. Si cette personne connaissait le don de Dieu, s'il savait vraiment qui était le Christ, il n'aurait pas mal fini. Mais il a suivi le grand nombre de personnes qui se moquaient de Jésus. Ceux qui parlaient mal de Jésus. Il entra au milieu du grand nombre et il fit le mal que les autres faisaient. De la même manière que beaucoup sont dans ce nombre-là. De la même manière que toi aussi tu peux être dans ce nombre-là. De la même manière quand tu parles de la parole et tu sous-estimes la parole. On te parle du salut et tu dévalorises cela. Ugafata nabi ivyo ijambo ry'Imana ririko riravugwa mu matwi yawe. Et tu considères mal de la parole qui est en train de résonner dans tes oreilles. Ariko ukibagira yuko Imana yashizeho limite y'ubugingo bwawe. Tout en oubliant que Dieu a mis une limite pour ta vie. Ukibagira yuko Imana yavuze ati hari imyaka umuntu atazorenza. Tout en oubliant que Dieu a déjà dit qu'il y a un âge qu'une personne ne dépassera pas. Kandi iyo myaka abantu iratandukanye. Et cet âge-là varie selon les gens. Kubera iyi myaka 120 Imana yavuze ngaha hariho benshi batayishikana. Parce que c'est 120 ans que la parole dit dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas atteint cela. Kubera nige ayamazi yaza Imana ije guhora ngo nabana ngo ninzoya zarahitanwe.
Ils disent, même quand le déluge est arrivé, il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint cet âge-là. C'est de la même manière pour toi, tu peux ne pas atteindre cet âge-là que Dieu a mis. Pourquoi? Parce que la mort vient par surprise. Nicho kibabaje abantu no munsi bi comportement ngo urupfurushe nibo bategeka urupfu. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que devant les gens, ils pensent que c'est eux qui contrôlent la mort. Abantu biyumvira yuko ari bo bafite ubuzima bwabo mu maboko. Ils pensent qu'ils ont la vie entre leurs mains. Ukababwira bakizwe ariko akakwereka yuko ibyo uri kuramubwira ataco bimubwiye. Et tu leur dis de se tourner vers Jésus, mais ils ne considèrent pas ce que tu es en train de leur dire. Sans toutefois savoir qu'en un instant, leur vie peut s'éteindre. De la même manière que ce malfaiteur ne savait pas qu'il allait mourir après quelques instants. Il n'a pas demandé pardon au Seigneur. Écoute la troisième personne qui a été intelligente. Alors que cette personne même était un malfaiteur aussi. C'était un malfaiteur. Mais un malfaiteur intelligent. Pourquoi était-elle intelligente? Sur l'arbre, quand il allait être pendu, sur l'arbre étant pendu avant la mort, il se souvint que sa vie était en danger. Mais il sut qu'il était à côté d'une personne qui pouvait le sauver. Le premier ayant insulté Jésus parce qu'il avait les mêmes péchés que le deuxième. Le deuxième l'arrêta. Et il dit, pourquoi continues-tu à faire le mal? Pourquoi n'as-tu pas peur de l'enfant de Dieu? Tu n'as pas eu peur des gens? Les gens sont venus nous dire d'arrêter de voler et nous n'avons pas arrêté. Nous avons continué nos attitudes. Voilà là où nous fait arriver nos attitudes. Vois comment notre attitude nous a pendus sur la croix. Et même sur la croix, tu ne peux pas avoir peur de celui avec qui tu es. Celui qui est à côté de toi va mourir. Non pas à cause de ses péchés. Ils ont été injustes et l'ont pendu. Mais toi et moi, ce sont nos péchés qui nous pendent. Tu ne peux pas avoir peur de Dieu. De la même manière que nous aussi, nous mourrons un jour. Si Dieu tarde, nous allons mourir. De la même manière que moi qui suis en train de te parler. Avant la mort. Devant la mort, tu peux te repentir. Peux-tu avoir peur? Peux-tu respecter Dieu? Peux-tu te retourner et venir vers la voie de Dieu? Peux-tu abandonner tes péchés? Pour que Dieu te pardonne. Cette personne sut très bien que sa vie allait s'arrêter. Il tourna ses yeux l'enlevant de sa propre vie, mais il mit ses yeux devant, sur Christ. Il lui dit, je sais très bien que tu es enfant de Dieu. Et je sais très bien que tu as dit que celui qui t'acceptera comme Seigneur sera sauvé. Je vais perdre ma vie aujourd'hui sur la croix. Et je regrette le mal que j'ai fait sur la terre. C'est pour cela que je te demande.
Imbabazi zawe wagiriye abandi benshi numvise. Pardonne-moi avec le même pardon que tu as pardonné à beaucoup de gens. Urashaka kuzimbabarira kuko na jewe ngiye mu kuzimu. Tu peux me pardonner parce que moi-même je suis vers la voie de l'enfer. Ariko ndazi neza yuko abari bari mu nzira yo kuzimu warabakuyeyo urabatabara. Mais je sais très bien que tu as secouru ceux qui étaient vers la voie de l'enfer. Nicyo gituma ndagusabye imbabazi zawe. C'est pour cela que je demande ton pardon. Aramubwira ati Kristo ni washika mu bwami bwawe. Il dit Christ quand tu arrives dans ton royaume. Ndazi uko ngaha tutanangana. Je sais très bien que même ici nous ne sommes pas pareils. Ndazi uko nshobora gupfa. Je sais que je peux mourir. Kandi ngiye gupfa kubera bamaze kubitucira urubanza tugiye gupfa. Et je sais que nous allons vers la mort car nous sommes déjà condamnés. Ariko yizereye ko Kristo ubedero akana. Yizereye ko Kristo nubwo agiye gupfa wewe ashobora kuja mu bwami bw'ijuru. Mais il crut que même après la mort, il peut aller au paradis. Yizera yuko Kristo nagiye gupfa agume mu kuzimu. Il eut la foi que Christ va mourir mais qu'il ne restera pas sous terre. Amenya yuko Kristo agiye gupfa ariko hari wahandi, hari ubundi bugingo inyuma y'ugo rupfu bagiye gupfa. Il sut très bien que même après la mort, il y a une autre vie et que il y a une vie éternelle après cette mort. Aramubwira ati iyo vie éternelle ubwo bugingo budashira ndakeneye kububamo. Il dit je veux vivre au milieu de cette vie éternelle aussi. Aravuga ati ariko ubwo bugingo budashira sinkeneye kububamo nkujya wundi twakoze ikibi cyo kimwe. Mais il dit je ne veux pas vivre la vie éternelle de la même manière que cette personne avec qui j'ai fait les mêmes péchés. Kubera twese babiri ndazi uko hari ubugingo budashira tuzobamo. Parce que pour nous deux je sais très bien qu'il y a une vie éternelle que nous allons vivre. Aramubwira ati nje nkeneye kuba ubugingo budashira hamwe nawe. Mais il lui dit je veux vivre la vie éternelle avec toi. Kristo amuhagarikira ngaho. Christ l'arrêta. Amubwira ati nta mwanya tugifise wo kuvugana menshi. Il lui dit on n'a plus de temps pour discuter. Kubera ngira ndakubwira ikintu kigiye kuba na mugenzi wawe acumve. Mais je vais te dire quelque chose qui va se dérouler et ton ami va l'entendre. Mugenzi wawe arangaye. Ton ami m'a sous-estimé. Kandi nari kumukiza kumusaraba tugira dupfe twese. Alors que j'allais le sauver parce que nous allons tous mourir. Muko Kristo ariko aravuga uno munsi. Comme de la même manière que Christ est en train de dire aujourd'hui. Ati umuntu wese atazonyemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Que celui qui ne m'acceptera pas comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amenye yuko ubugingo bwiwe buzoja mu mahonero. Que cette personne sache que sa vie ira en enfer. Kandi iyo ayo mahonero ni bihe bidashira. Et que cette mort est éternelle. Arabwira uyu muntu rero. Il dit à cette personne. Yamwemeye. Qu'il a accepté. Aramubwira ati uno munsi nyene ntuvuge menshi kubera abagira batumarire nga. Il lui dit aujourd'hui même. Tuza kubana mu bwami bw'ijuru. Tu seras avec moi dans le paradis. Akanyi sase ubugingo bw'abantu batatu bwose buba burahagaze. En un instant la vie des trois s'éteint. Shaka kukubaza wori kuranyumva rero. Je veux te demander toi qui m'écoutes. Mbega abo bantu batatu bose bagiye ahantu hamwe. Mais est-ce que ces trois personnes sont parties tous au même endroit? Ko bose batatu bapfuye. Car tous ces trois sont morts. Mbega bose bagiye. Mais où sont-ils allés tous? Bagiye hehe wowe ndiko ndauranyumvirize. Où sont-ils partis toi qui m'écoutes? Mubuje nawe dupfuye. Si entre toi et moi si on meurt. Tojahe. Où irons-nous? Bega twahisemo iki. Qu'avons-nous choisi? Twahisemo inzira iyi. Quelle voie avons-nous choisi? Bega tuzohurira ahantu hamwe twese. Allons-nous nous rencontrer au même endroit tous? Bega Kristo kwari uwa gatatu hagati yanje nawe. Si Christ est la troisième personne entre toi et moi. Bega tuzohurira na Kristo aho je nawe tuzoja. Allons-nous nous rencontrer avec Christ là où toi et moi on ira? Iyo niyo question ihari uno munsi. C'est la question qui se pose. Icyo nicyo kibazo gihari uno munsi. C'est la question qui se pose maintenant. Kuzi neza ko Kristo ari hagati yacu. Si tu sais très bien que Christ est au milieu de nous. Kandi Kristo avuga yuko ari we nzira ukuri n'ubugingo. Et que c'est Christ même qui dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Atawuzoshika kwa data tamuciye ko. Il n'y a personne qui arrivera au Père sans passer par lui. Atamuntu n'umwe azokwegera data Kristo atamubabariye ibyaha. Il n'y a aucune personne qui s'approchera de Dieu sans que Jésus lui parle. Amaraso ya Kristo atamwogeje uyu muntu atazopfa ayinjiye muri paradiso. Sans que le sang de Jésus ne lave cette personne, elle n'entrera pas au paradis.
Mbega twarahisemo uyo muntu yatubwiye yuko ari wenzira ukuri n'ubugingo. Est-ce que nous avons choisi cette personne qui nous dit qu'elle est la vérité et la vie? Mbega twaramusabye kigongwe ubugingo bwacu buratunganye imbere y'Imana. Avons-nous demandé pardon à cette personne? Est-ce que notre vie est juste devant cette personne? Mbega yaratwemereye yuko tuzobana nawe akaramata mwijuru. A-t-il accepté et promis à nous qui vivra avec nous éternellement? Cela est un grand problème au milieu de beaucoup de gens aujourd'hui. Je suis comme la deuxième personne qui est là parlant aux autres qu'ils arrêtent de pécher. Pourquoi me suis-je mis à la place de la deuxième personne? C'est parce que la deuxième personne a accepté Christ et a accepté d'être son enfant. Et il choisit de conseiller une troisième personne qui était dans le péché. De la même manière que je te conseille toi qui es au milieu du péché. Et je te demande pourquoi n'as-tu pas crainte de Dieu? Ne peux-tu pas craindre et sauver ta vie? Pourquoi continues-tu de faire le mal alors que tu es déjà dans le mal? Pourquoi ne te tournerais pas tu aujourd'hui afin que tu sois sauvé devant la mort? Pourquoi veux-tu continuer vers le mal? Pourquoi n'abandonnerais-tu pas tes péchés et recevrais Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est pour cela que je termine en te disant, donne ta vie à celui qui te parle dans ton cœur. Donne ta vie à celui qui peut sauver les péchés. Il n'y a aucune autre personne qui peut sauver tes péchés. Tu peux te moquer de cette personne qui te donne la vie éternelle. Tu peux parler de cette personne et parler d'elle de la même manière que tu veux. Tu peux sous-estimer cette personne de la manière que tu veux. Mais sache bien qu'après cette mort sur la terre, il y a un jugement. Il y a un jugement. Et ce jugement, celui qui nous jugera, c'est celui même qui a promis à cette personne de lui donner la vie éternelle. C'est de la même manière que je parle, c'est de la même personne dont je parle pour que tu l'écoutes. Il n'y a aucune personne qui viendra te sauver. Notre religion nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne que nous pouvons trouver la vie dans Mohamed. Nous pouvons avoir la vie au travers de Marie. Nous pouvons prier les saints et recevoir la vie. Nous pouvons prier Bouddha afin qu'il nous donne la vie. Et d'autres dieux qui pourraient nous donner la vie. Mais je te dis en vérité, Jésus lui-même a dit au travers de sa bouche qu'il n'y a aucune autre personne. C'est pour cela que Jésus lui-même a promis de donner la vie éternelle au voleur qui était à côté de lui. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui peut donner la vie éternelle. C'est pour cela que je termine en te disant, donnons notre vie à Christ afin qu'il dirige cela, qu'il nous donne la vie éternelle et qu'il nous donne cette vie éternelle au paradis. Car il y a une vie éternelle aussi en dehors. Parce que toutes les deux personnes vivront éternellement. Mais ils vivront cette vie éternelle dans deux endroits différents.
Uhahanu hamwe aho Kristo ari hazoba ari bitwenge n'umunezero. Au milieu là où Jésus est, ça sera au milieu de la joie de la joie. Ariko aho handi ngo hazoba déplorer des grincements dedans. Ngo nokugimisaya namosozi aho handi. Mais à l'autre endroit, ce sera des grincements dedans. Kuberiki ni mu muriro udashira. Pourquoi? Parce que c'est en enfer. Mbega wahisemo hehe? Qu'as-tu choisi? Mbega uri mu ruto mu mugwi uhe muri aba bantu batatu. Et tu es dans quelle catégorie de personnes? Hitamo neza uno munsi kubera ejo sahawe. Choisis bien aujourd'hui car demain ne t'appartient pas. Bibiliya itubwira ngo uno munsi nimwumva ijwi ry'Uhoraho nimukongataza imitima. La Bible nous dit que aujourd'hui si vous entendez la voix de Dieu, ne résistez pas. Muhe ubugingo bwawe uno munsi. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Kuko mu minota 5 iri imbere ntuzi cyo gushikira. Parce que devant après 5 minutes dans ta vie, tu ne sais pas ce qui va se passer. Nicyo gituma nsaba Imana. C'est pour cela que je demande à Dieu. Igufashe kutahura iri jambo. Qui t'aide à comprendre cette parole. Nawe wamaze guhitamo neza. Et toi qui as bien choisi aujourd'hui. Ntusubire inyuma. Ne regresse pas. Nusubire mu byaha bya kera. Ne retourne pas dans des anciens péchés. Ariko ubandanye urugendo rwawe gushika aho tuzohurira mu hinjuru twese. Mais continue ta route jusqu'à ce qu'on se retrouve tous au ciel. Imana ikugirire neza. Que Dieu te bénisse. Imana ibahezagire. Que Dieu vous bénisse tous. Ubu ni bibidashira icyubahiro ni cy'Imana. Maintenant et éternellement la gloire est à Dieu. Imana ihabwe ishimwe. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Hallelujah.